Qu'on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 2 de Dead Cell. Donc, j'ai pu regarder, enfin, j'ai re-regardé un petit peu l'épisode précédent, comment ça s'était passé, etc. Donc, j'ai essayé de régler quelques petits problèmes où il y a eu, par exemple, des coupures. Donc, normalement, le problème est réglé, je dis bien normalement. Donc, sur ce, continuez la partie en cours. Let's go pour l'épisode 2. Donc, on est déjà 9 sur la chaîne, enfin, déjà, c'est peut-être un grand mot, mais bon, ça compte déjà pas mal. Il y a déjà du monde. Donc, on va prendre l'arme. Comme la dernière fois. Ouais, l'arc. Encore mort. Mais je t'emmerde. Je sais ce que vous avez fait. Moi, oui. Je connais tous vos petits secrets. Tu connais que dalle. Et je les consigne dans mon grimoire. C'est mon travail. Vous tuez des trucs, je note. Ok. Ah, nombre total de parties 3. What? J'ai pas fait 3 parties. Plus grande quantité d'or obtenue en même temps, 5104 de gold, blablabla. Est-ce qu'on peut voir, je suis mort combien de fois? Équipement, ah, mort. Ah, c'est A et E pour se déplacer. Je suis mort 2 fois et mort par un ennemi à 100%. Ouais, j'ai perdu au total 126 cellules. Oh, c'est énorme. J'éviterai que cela se reproduise. Bref. Boum, premier monstre. Roulade et tabassage. Donc je vais essayer d'être meilleur que sur la game précédente. J'espère que ça a porté ses fruits. Ah, je pense, en fait, à mon avis, si j'explose les portes alors qu'ils sont derrière, je pense qu'elle les étourdit. Parce qu'en regardant l'ancienne vidéo, bah du coup j'ai. Elle sert à quoi cette pièce? Elle sert à rien, on est d'accord. Donc en regardant la dernière vidéo que j'ai faite, bah du coup j'ai pu remarquer 2-3 petits trucs plutôt utiles. Hop, on esquive parce que ces connards ils sautent et c'est. Si vous vous souvenez bien, c'est là-dessus que j'avais fini la vidéo parce que ce connard m'avait tué. Alors il va mourir très vite et l'archer aussi. Ça va, je me débrouille bien. Enfin, comparé à la dernière fois. Donc cette fois-ci, je vais pas faire la connerie parce que oui, on prend des dégâts de chute. Et ça, c'est très chiant. Hein. Hop, esquive. Non! Putain, putain, putain. On casse toujours les couilles, les connards. Oh! Attention. Ah, je la mangerai après la boule de poulet. D'abord, on tue ce connard. Très chiant. Je prends une flèche, je prends 2 flèches, je prends un coup d'épée. On ramasse ce parchemin de puissance. Alors, on va pas faire la même connerie, on va prendre de la vie. Parce que c'est, comme j'ai pu le voir dans le dernier épisode, c'était très, très, très utile. Là, on les entend. Ah mince, j'ai oublié de taper. Ouais, parce que je peux faire une espèce d'attaque tombée où je fais des dégâts au sol, donc plutôt pratique. Ah putain, je réussis pas, en fait j'appuie sur l'espace quand je tombe, je suis con, chier. Donc c'est plutôt cool, dans le sens où je commence à me faire connaître dans l'école, enfin par mes amis seulement. Hein. Ah putain, encore ce truc, comment je fais? Je sais pas, il y a un truc ou autre. Non, putain. Bon. Ah, du coup, on va se téléporter là-haut. Ah, une grenade étourdissante en bas. Moi. Non, elle est derrière. Porte. Ouvrez. Je suis le prisonnier décapité, mais vivant. S'il vous plaît. Pitié. Non, il se passe rien. Bon, bah, c'est bon, j'arrête. Bon. Ça m'a pas été très utile la dernière fois la grenade stun, donc je vais pas la prendre. C'est quoi cette porte? Oui. Cette porte est bloquée, cette porte est bloquée, cette porte s'ouvre depuis un autre. Ah, il y a une espèce de mécanisme ou quoi? Ah voilà, j'ai pu faire l'attaque tombée que je vous parlais. Ok, donc le plus chiant est mort. Ouah, mais ils en ont pas marre les bombeurs là. Ok, c'est quoi? Hop, dégage. A fait 0 dégâts mon épée de début. Boum. Dégage toi aussi. Boum. Du coup là ça sauve, c'est ça? Nickel, ok, d'accord. Bonjour l'archer. Au revoir l'archer. À moi les diamants. Et à toi la mort. Voilà, connard. Boum. Peut-être un truc là. Un bloc caché comme dans le dernier épisode. Non.
Ok, donc d'abord tuer les casse-couilles lanceurs. Genre toi là, crève. Ça, je me débrouille mieux que dans le dernier épisode. Oh, sympa le backdash qu'ils ont fait. Par contre, il y a quoi en bas? Ah oui, dans le jeu, comme vous pouvez voir, en fait, il y a beaucoup de possibilités de mouvement. C'est-à-dire, on peut aller en bas, à gauche, etc. Mais du coup, si vous allez à gauche ou à droite, vous allez... Si vous allez à gauche, vous allez louper les trucs qui sont en bas, en, à droite, etc. Vous voyez ce quoi je veux... vous voyez de quoi je parle? J'ai du mal à parler. Ah, notre vendeur tant aimé. Qu'est-ce que c'est? Bombe givante. 1900! Connard. Épée équilibrée. 2. Mana. Soigneusement. Dégâts. 125 sur la cible gelée. Ah ouais, mais en gros, faut acheter les deux comme ça, c'est cool. Bah, je pense que je vais juste prendre la bombe gelée parce que... Ouais, ça peut être bien en fait. Comme ça, au moins, je les gèle et puis j'ai pas tellement de problèmes à ce qu'ils me fassent de dégâts. Ouais, je pense que je vais faire ça. Voilà. Bon, connerie à ne pas faire, ça prend combien de temps? 8 secondes. Mais en même temps, tu me diras, le champ de portée est plutôt massif. Du coup, je fais comment pour aller en bas en fait, moi? Par contre, ces connards là, vous le voyez le connard en bas au bouclier? Je sais toujours pas comment les buter. Simplement et rapidement, parce que comme vous avez pu le voir la dernière fois, j'ai plutôt bien galéré, donc je sais pas encore comment faire pour résoudre ces problèmes. Non, bah du coup on va aller à la promenade des condamnés, parce que je pense que on peut aller que par là. Enfin, je pense, après je peux me tromper, car personne n'est parfait dans le monde sauf toi qui le dira dans les commentaires. Au fait, n'hésitez... Oh merde, le con, putain. N'hésitez pas à me dire si vous comment dire, je vous ai donné d'acheter le jeu ou si je vous ai donné envie de le détester. Ah, notre ami, j'ai des cellules. Ouais, j'en ai 8. Enfin, 7. Qu'est-ce que je peux mettre? C'est quoi ça? Ah, mais vous conservez jusqu'à 3000 d'heures en mourant. Ok, alors ça, on investit là-dedans. Ça, c'est super. Ensuite, arc de départ aléatoire et bouclier... Oh, ça peut être grave cool, ça. Je pense qu'on va investir dans ça prochainement. Ouais, ça peut être super cool, ça. Genre, ça fait que... Ah, voilà. Le bon petit jus d'orange, qui m'a été très utile la dernière fois, parce que les pièges m'ont niqué la gueule. Oh, putain, j'en ai marre! Deuxième fois que je fais ma connerie. J'espère que ça ne se reproduira pas une troisième fois en combat. Ah, putain, je déteste ce passage. Alors je sais déjà ce que je veux faire. Je ne vais pas toucher à cette brochette même si elle a l'air fortement alléchante. Car d'abord je vais me faire niquer par les mobs, c'est plus marrant. Putain, mais va niquer ta mère. Ah oh, merci, je les avais déjà. Donc, toi, tu crèves. Oh, la libellule. Meurs. Ok, j'ai eu la libellule. Ok, donc le zigoto en haut aussi. Et la libellule en bas. Ah aussi. Le zigoto qui court. Oh putain, le sauteur, il me casse les couilles. Voilà. L'autre sauteur. Ok, il m'a loupé. Il est nul, moi aussi. Tout le monde est nul, sauf vous les abonnés, vous êtes parfaits. Allez, putain, j'arrive pas à faire mon attaque sautée. Merde. Pardon, je m'énerve un peu. Bon, la brochette. Voilà. Voilà pourquoi j'ai pas prise. Oh, les dégâts de chute de merde. Attends, je peux pas taper là-dedans? Non. Enfin si, j'ai tapé, mais il y avait rien de spécial. Oh, nickel, il est là, le machin. Ça veut dire que... Ah mort, ah mort, ah mort, ah mort, ah mort. Arc dans ta gueule, saloperie. Oula. Oh, j'avais oublié qu'il s'est porté là. Aïe, aïe. Oh. Ça va, en fait, j'ai pas perdu tant de vie que ça. Ah, j'ai esquivé son attaque par le hasard. Non, c'est totalement calculé, bien sûr. Ok, crève la libellule. Crève! Crève, 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 crève. Ok, c'est bon. Toi, le connard. Non, j'ai oublié de taper! Je suis nul! J'ai oublié de taper, du coup, ça m'a fait perdre la vie. Pourquoi? 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 Je me mange sur toi. Voilà, c'est ta faute, le mob. Putain, j'ai trop de mal avec les sauts, comme vous le constatez. Alors toi, si tu... Ok, t'es mort. Génial.
Intéressant. On dirait qu'ils se font one shot quand ils tombent par terre. Boum. L'ascenseur. Oh oh. Je suis passé par la miracle. Oh, putain, par le miracle du Saint-Esprit, je suis passé. Pour aller voir le vendeur. Pour aller voir le vendeur, j'ai risqué mon cul. C'est une blague. Au moins, j'ai pas tout à me retaper parce que j'ai activé le point de transport. Qui va nous le téléporter ici. Boum. C'est trop classe. Oula. Je sais qu'on aurait dit un piggy, mais je m'en fous. Hop. Ça me touche pas. Putain. Oh, incroyable, j'ai pas pris de dégâts alors qu'il y avait des pics. Ça, c'est incroyable, ça. On va passer par en bas parce que je pense qu'on pourra remonter après. Cette porte est condamnée il y a 5 minutes 6 secondes, dommage. Ah oui, j'ai oublié de vous le préciser, mais en fait, il y a un, comment dire, ces portes-là, c'est des portes speedrun, en fait. C'est-à-dire que je serais arrivé 5 minutes plus tôt, j'aurais pu débloquer cette porte. C'est-à-dire que tu peux tracer le niveau. Genre, tu peux mettre une teuf pointe, éviter les ennemis, éviter de prendre le loot, etc. Et j'aurais pu passer. Mais vu que je suis pas un gros runner, du coup, je peux pas passer. Bon, toi, connard. Mais... Je me demande si l'arc qui fait beaucoup de dégâts. Il m'a vu, putain, la porte s'ouvre pas aussi. Oh mon dieu, je fais de la merde, je fais de la grosse merde, je fais de la très grosse merde. Ok, j'ai eu le hamster là, pas de problème avec le hamster. Et toi, j'ai tellement fait de la merde, tellement, mais à une force. Oh, ça c'est classe par contre, du coup elle est devenue ensanglantée, la massue. Il est tombé dessus. Évidemment, j'avais pas pris de dégâts avant, fallait que j'en prenne maintenant. Eh oui. Attends. Ok, maintenant. Pas maintenant. Ok, maintenant. Pas maintenant. Il y en a marre. Mais... Genre, tu veux pas crever, genre. Non, ça te dit pas. Et il me spot à 10 km. C'est trop fun. Juste, frère, je fais comment pour passer, moi? C'est ça, en fait, je roulade et puis j'essaye de me débrouiller avec les moyens du bord. Non! Not again, dude. Toi, je te vois venir. Ok, donc toi par contre je vais te tuer parce que tu commences sérieusement à me casser les couilles, connard. Avec ton pote le zombie aussi, voilà, vous y passez tous. Parce que bien sûr, c'est le fun. Toi, je t'emmerde, voilà, je l'avais dit. Et je te bute, connard. Pardon, je suis très vulgaire sur cet épisode. Mais c'est parce que si vous regardez le premier ou si vous l'avez déjà vu, vous avez pu voir comment ils m'ont cassé les couilles ceux-là. Toi, tu crèves aussi parce que tu m'as bien cassé les couilles. Toi, je t'évite. Pour mieux te buter par derrière. Voilà. Ok, attends. Faut que je teste un truc. Oh putain, le con! En fait, j'ai essayé de lui mettre des coups pour essayer de le pousser, mais j'ai pas réussi, comme vous avez pu le constater. Ok, par contre, lui, je vais aller le tuer quand même parce qu'il reste donc. Casse les couilles. Primeur! Oh putain, ils sont costauds! Ah, il est pas mort lui en tombant. Peut-être que c'est en tombant d'une certaine hauteur ou. Ok. Ok, c'est bon, il m'a pas vu. Ok, donc bam. Donc comme vous avez pu le voir, soit je peux ouvrir les portes, auquel cas du coup ça bloquera les monstres, ou je peux les défoncer et si ils sont à côté, ça les stun. Élite grenadier trouvé. Merci, connard. Oh putain, mais c'est quoi cette portée d'enculé aussi? Élite grenadier. Va crever ta daronne. L'heure. Je pense que ça va m'être utile. Non, mais c'est une...
Mais frère, calme-toi, wesh. T'as pas tes règles quand même, si? C'est ça, t'as tes règles. Putain, en fait, il va me niquer ma race. Eh vas-y, viens. Voilà, je prends le tarif aussi, parce que sinon, faut pas rigoler. Ça reste un jeu vidéo, je suis là pour manger mes morts. Connard, toi, je t'avais vu. Toi, je te tue. Ok, j'ai une idée. Grenade. La grenade qui prend 3 ans avant de se déclencher, c'est trop fun. Si je meurs. Ok, tu sais quoi, on va le passer, je pense. On va essayer de te tuer, toi, si tu me tues, par contre, j'ai la rage. Ok, c'est bon, on récupère l'or. Bon, on défonce la porte parce qu'on a aucun respect pour les pauvres petites portes. On va passer par en haut en fait. On ouvre délicatement la porte. Oh. Ok. Je suis où? Ok, c'est bon, je suis pas mort, c'est l'essence. Ok, je suis bon, c'est déjà. Non, pas un boss. Le jeu nique ta maman. Voilà le truc bien dégueu que je déteste. Bon appétit. C'est dégueulasse. Ok, donc vu que je récupère 3000 de thunes et que j'ai 2000, je récupérais que les 2000 que j'avais. Non, cette fois je pense qu'on va prendre le boubou. Ça me paraît sympa. Vu que j'ai pas beaucoup utilisé l'arme. Vous êtes. Mais je t'emmerde, fils de. Impossible de l'ouvrir. Mais putain, génial. Génial, je sens que cette game est géniale. Franchement. C'est quoi ça? Oula. Ok. Ah nickel, ils font des bagdash maintenant. Ça c'est super. Voilà, meurs. Je peux l'ouvrir? Ça se passe comment? J'ai pas assez de force en fait, un truc comme ça. Peut-être. Ok, donc toi, très connard. Voilà. TP activé. Archer tué. Voilà. C'est quoi ça? Casse-noisette. 100% de dégâts sur une cible enflammée. C'est quoi ça? Lance de piège qui immobilise les ennemis pendant. Subit 35, applique inflammage au déploiement du piège. Mais je m'en branle du piège, moi. Ce que je veux, c'est pouvoir niquer des races en quelques instants et pas le piéger pour qu'il puisse me déglinguer. Nickel, attaque tombée, loupé. C'est kiffant. Pour l'instant, j'ai pas encore eu besoin d'utiliser mon boubou. Et ça, c'est tant mieux. C'est-à-dire que je m'en sors bien. Non, je veux pas me téléporter. Je veux juste récupérer la gemme. Merci. Crétin. Non mais, frère! J'en ai marre! Je pense que maintenant, genre la grenade, juste à côté de la grenade, il y a un espèce de trou, à mon avis. Le truc que je peux faire chatouiller là, à mon avis, ça doit faire, je sais pas, une échelle, un truc, hein, pour que je puisse monter. Et bon, vu que j'ai pas débloqué la rémunération. Putain, mais il me la faut vraiment, hein, parce que c'est partout cette merde. On dirait de la mauvaise herbe d'ailleurs. Coup tac, tac. On remonte. Pour améliorer les compétences. En fait, je m'en fous un peu. Je m'en fous même royalement. Mais putain, le shield ne sert à rien. Ah si, c'est rigolo. Ouais. Oh putain, je vous déteste. En fait, faut pas trop utiliser le shield non plus parce que il est pas très très fiable. TP, y a pas un truc là? Non. Ah putain, encore cette merde. Ça, je suis sûr que c'est comme pour l'espèce de truc que tu peux chatouiller, comme j'ai dit tout à l'heure. Tu dois débloquer l'amélioration plus tard, je pense. En tout cas, pour l'instant, je suis bien baisé du coup. 59 HP sur 100. Oui, la vie est bien. Du coup, on passe par là. Donc on n'achète rien de tes... Attends, mais je peux acheter les autres trucs. Un talisman, dégâts de tir réduit. Ou le fouet électrique vise automatiquement les ennemis proches et tire une flèche. Devenez palpatine. Bah les couilles, je l'achète.
à la place de notre épée. Et voilà. On va pouvoir niquer des mers maintenant. Donc le fouet. Ah ouais, sympa. Congélation. Congèle les ennemis devant vous. Un peu de vieux chien, je pense. Mais genre, c'est obligatoire? Ah d'accord. Oh, j'en ai marre de ce jeu! Enfin, il commence à m'énerver. Pourtant, c'est un de mes jeux préférés que je disais. Oh putain que j'en ai mis. Oh! Voilà, super, c'est la fête au village. 990, toujours c'est la fête au village. On prend l'arc parce que c'est bon, ça va péter. Putain, je sens que lui, je vais lui foutre une baffe avant la fin du jeu. D'une manière ou d'une autre, ça, je peux toujours pas l'ouvrir, je parie. Toi, tu crèves. Toi, je t'emmerde aussi. Voilà, je me contre-branle, voilà. C'est bon, on va casser les couilles. Ok, donc, c'est quoi? Non, mais juste, ferme ta gueule et crève. Voilà. Mode rage activé, mon casse les couilles. Boum, coup d'arc dans ta gueule. Mais je t'emmerde. Coup d'arc dans ta gueule, voilà. Coup d'arc, je saute. Boum, 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 boum. C'est la fête au village, ils m'ont niqué 20 fois, j'en ai ras le bol. Les dégâts et dettes, compétences actives sont améliorées. Ça, c'est super, ça. Ah, tu sais quoi, crève. Toi aussi, crève. J'en ai plein à foutre. Une gueule de merde, mais casse les couilles. Ensuite, c'est tout. Un d'autre, si toi là-bas, niquer ta mère. Voilà, ensuite là, y'a rien. Descends. Désolé les abonnés de vous si vous me voyez comme ça, mais c'est parce que. Nickel, de casse-couilles, juste pour le fun. Allez hop, toi je te ken. On va aller en bas niquer des mères toujours parce que j'en ai ras-le-bol. On casse les couilles. Ok. Voilà. Et évidemment, je touche pas. Utiliser la rue. Wouah. Oh le jeu, je t'aime en fait. Tu me redonnes envie là le jeu. Wouah. Nouveau défi, attendre la sortie en ayant éliminé tous les ennemis sans subir de dégâts. Sans subir de fucking dégâts. Ok, je vois le principe du... Ouais, qu'est-ce que c'était fun! Je te déteste le jeu, je te déteste. Et je te hais. On parlait combien qu'en bas il y a encore une statue pour me casser les couilles? Non, bien sûr, fallait changer après tout. Un peu de changement dans la vie, ça fait jamais de mal. Non, ça fait juste très très mal. Encore une ruine. Secret découvert, c'est quoi? Bien que vous en tirez de son sans trop de difficultés. Je peux pas passer? Non, je peux pas, fais chier. Pourtant, ça m'aurait filé la bombe. Attends. Merde, j'ai perdu mon pouvoir de congélation, je crois. Ou alors, c'était quand j'étais mort de tout à l'heure. Oh putain, c'est le jeu commence à m'embrouiller tellement il me casse les couilles, en fait. Bonjour, toi. Alors, je vais te reprendre ça. Alors, allez, hop. Même pas le temps de réfléchir. Ça fait zéro fucking dégâts. Ça va, tu backdash deux fois en arrière, tu te sens bien, frère. Et ça stun même pas, c'est quand il veut le l'assaut. Ok, d'accord. Ok, donc c'est juste pour changer en fait, ça. Ça fait que suivre les ennemis, mais sans plus, quoi. Donc... Putain, voilà. Alors on va prendre de la force parce que le lasso fait pas de dégâts. Stun, stun. Ah, le jeu, je te... Tu leur fais zéro dégâts aux zombies sauteurs là, ils sont en train de me sauter. Ah, il y a un sac en dessous. Nickel, je me fais ken, je me refais ken. J'adore me faire ken. C'est trop fun. Je veux pas genre juste, je sais pas, mourir. Non, ça te dit pas. Ok. Encore un autre, 250 balles. Ouh. On va prendre ça à la place de l'arc du coup. Reste à distance, meurs. Oh là.
Alors. Tue-le! Putain. Meurs, meurs, meurs. Ok, c'est bon, il est mort. Donc vous voyez comment ce jeu peut vous faire flipper votre race. Donc voilà, voilà. C'était porté. Désolé si je vous parle plus beaucoup en fait, hein, mais c'est surtout parce que là je commence à tryhard. Parce... Alléluia. Amen. Oui, à la place du fouet, parce que ça me paraît pas mal. Non, le garde est mort. Il est mort. C'est récent. Oula. Bah, ouais. Oh, intéressant. Il est mort, il est mort. T'as rien d'autre. Un rubis 1500. Et une épée large. Oh, mais c'est que je commence à me faire de la menu monnaie, moi. Ah, je connais pas ici. Ah, enfin, je vais pouvoir lui donner mes quelques trucs que j'ai. Genre, attends, je vais regarder pour... alors, ça, c'est tous les trucs. Y a pas... genre, faire pousser des cordes ou des... Je sais pas. Ça, c'est capacité, ça, je m'en branle. Bref, bon, bah, on va continuer d'investir dans l'arc. Voilà, parce que l'arc, c'est génial. C'est pas le cheval, hein. Là, c'est l'arc. Oh oui! Non! Je suis con. J'avais déjà une fiole, en fait. Dès le début, je crois que t'as une fiole. Ouais, parce que ça montrait déjà une fiole, et... mais c'est bon, ça m'a restauré toute ma santé. C'est pas plus mal. Donc... Ah, le niveau que j'aime pas. Fallait bien qu'il vienne. On ouvre. On ouvre. Oh, oh, je suis passé une extrémiste là par contre. Gel, 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 gel. Bon, ce connard n'a pas gelé, ne veut pas geler, n'aime pas geler. Voilà. Meurs, meurs, meurs. Ok, c'est bon. Meurs, 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 meurs. Ok, c'est bon. Ah, c'est génial en fait le pouvoir de dégel. Ah ouais, par contre faut le caler. Et faut le tuer. Mais genre, il est pas mort. Reviens, 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 frère. Mourez. Mourez. Voilà. C'est plus marrant, non? Alors, toi, t'as entendu du bruit, mais genre, ça te dit pas de venir. Non, meurs, 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 meurs. Je crois que c'est... Ouh, une bombe incendiaire. Boum, dans ta gueule. Boum. Ce qui est bien au moins, c'est que c'est compté comme une arme et pas comme une comme un pouvoir, du coup, ce qui fait que j'ai pas de temps de... comment dire ah, comment ça s'appelle déjà, j'oublie. J'ai pas de cooldown. Ah putain, ok, d'accord. Eux, ils meurent pas tout de suite. Même quand je leur balance toute la purée dans l'anus. Y a rien ici, y a pas un secret. Non. On va descendre en... Ok, il m'a pas vu. Oh, je suis trop intelligent. Enfin, ça dépend des moments, bien sûr. Donc ça, une fois de plus, c'est les dégâts des compétences. Et je m'en branle complètement. Oh, je te maîtrise complètement de l'adversaire. Ça va, je commence à reprendre le jeu. Il y a 2 minutes, putain, j'y étais presque. Bon, moi, les portes speedrun, hein, vous ne verrez jamais les faire. Vous aurez qu'à regarder d'autres youtubeurs, parce que moi... Je prends mon temps pour jouer et je me fais plaisir. Ou le jeu se fait plaisir à me massacrer la gueule. Par contre, là, j'ai pris du temps avant la forme à chaque wave de freeze. Non! Non! Meurs! Gèle. Et. Meurs! Voilà. C'est quoi ça? Ah, je choisis. Les points de vie, je suis cassant et ça va commencer à être légèrement chaud. T'es mort. Wouah, comment je peux les enchaîner en fait? Ah ouais, le pouvoir de gel en fait c'est pas si mal, c'est même très très cool. Je l'avais pas vu comme ça.
Ouais, par contre, ça nique pas les portes. Ça, c'est pas rigolo. Donc, ici. Putain, je peux pas passer. Fais chier. Comment est-ce que je fais pour avoir ces saloperies? Oh putain, fais chier. Oh, ah, le putain de boss de merde. Qui m'a niqué. J'espère. Je me demande si c'est encore lâché. Parce que si c'est encore lâché, putain, comment je vais me faire plaisir. C'est encore lâché, MDR. C'est moi en fait, il a des petits avec lui. Merde. Putain. Putain, 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 putain. Mais frère. C'est une blague. Munition accrochée à la nuit. Putain, mais je fais comment? Ok, bah en fait, je fais comment? Je meurs, littéralement, je meurs. Les putains, mais les kunais ils sont accrochés à lui, je fais comment? Je suis censé lui faire un câlin et lui prendre par derrière. Ce jeu est génial. Ce jeu est génial. Je sais même pas si je vais réussir à faire des best-of de moi qui rage. De l'or, 3000, bien sûr. On va prendre le bouclier cette fois-ci. Sauf que... Je pense que sur cette fois-ci, je vous dirai à une prochaine vidéo, parce que je pense que le temps doit être déjà pas mal. Donc, on va se laisser sur cette magnifique... sur ce magnifique flasque rempli. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Laissez un petit commentaire, abonnez-vous, faites ce que vous voulez. Mettez un pouce rouge si ça peut vous faire plaisir. Sur ce, à plus !